Salut les amis, c'est Seven, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on va reprendre le live dans Factory et j'espère qu'en gros ça va se passer aussi bien ou mieux qu'hier. Voilà. Allez, c'est parti, on va mettre ça en place. Je suis en train de me connecter. On entend du bruit. N'oublions pas qu'hier ça a été un petit peu la guerre, il y avait beaucoup de monde, mais j'ai réussi à récupérer le loot. Espérons qu'aujourd'hui ça se passe un petit peu mieux. Alors, dès le début je vais faire pipi, je vais peut-être en profiter tout de suite avant qu'il y ait des problèmes. Ouais. Faire ça discrètement. Par contre, s'il m'a jeté le gun par terre, c'est qu'il n'y a plus de place. Oui. Il était juste à côté de moi. Merci pour ta discrétion. Ouais, bah, il est plutôt très énervé celui-là. Qui fait que je me mette à la troisième personne. Il faut que je fasse tout de suite de la place parce que si j'ai plus de place dans mon sac, je vais perdre mon gun. Je crois que j'ai du fil de couture. Je vais poser ça là en attendant, j'ai pas envie de perdre le gun, c'est la seule arme que j'ai. Et je vais me faire de quoi coudre, je vais réparer mes chemises et autres. Voilà, c'est la meilleure. Il a pas d'os lui, d'accord. On va essayer de faire différemment. Il dit pas d'os, il n'y a pas d'aiguille, du coup je peux pas réparer. Là c'est bon. Un peu je me dépêche monsieur. La lumière est jaune en plus du robot. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans le coin. Faut que je fasse gaffe. Réparer tout ce qui a été abîmé. Ah ouais, t'es bot, je peux pas réparer plus, ok. On trouve un moyen pour pouvoir mettre mon gun quelque part. Ah, le gun, non, c'est bon. La trousse à outils. Voilà. Non, toujours pas. Ben, je jetterai plus tard si j'ai besoin. J'ai 13 balles, je peux y aller. Je vois que le robot est en orange. À mon avis, c'est qu'il y a du monde dans le coin. Encore ? À côté de discrétion avec eux, ça va être compliqué là.
puis même je peux faire des chiffons, ça fait moins de bruit. On va essayer de se la jouer un petit peu plus discret. Chose, hein. Je fais ici. Ah non. Ah, je crois que j'ai fait ça. Non, même pas. Ok, bah, j'en profite. Essayer d'être discret quand même. Visiblement ici ça doit être tout le temps. Je vais regarder c'est un quoi, un 357. Non, j'ai les balles mais j'ai pas le bon viseur. Des armes quand même. De toute façon, à mon avis, le plus gros du loot n'est pas ici. Faire gaffe quand même.
me faire cramer ici. Faut j'attendre qu'il passe. C'est moi ça? Ouais, c'est qu'il y a tout le monde. J'essaie de regarder où il tire. Il peut me donner des indications. Moi je suis Kogun, ça va être un peu compliqué quand même. Hein. Il y a un mec qui passe de devant là. Oh non, on manquait plus que toi, tu vois. Ça va être compliqué. Elle a vu la première personne avec le monde qui est autour. En sécurité, même si je tombe sur un mec avec un 9 mm, je trouve un pompe ou un truc à la con, ça pourrait aider. Le mec arrive vers moi, c'est pas possible. Été fait, hein. Bon, de toute façon c'est assez clair, je vais trouver quelqu'un. Il me voit pas d'ici, ok. Oh non. T'arrives au mauvais moment. Ça devrait passer là. Je suis à moitié planqué. À chaque fois que je vois le menu s'ouvrir, je me dis ouais cool, il y a du loot. En fait,
fait, c'est que des trucs que personne ne veut, quoi. Ok. On va rester allongé sur le cadavre. Peut-être moyen que je passe inaperçu. Ou pas. Je suis arrivé trop tard, il n'y a vraiment plus rien du tout. Un peu de place parce que là j'en ai pas. Bon, maintenant la discrétion s'est loupée. Là, tout ça je garde, au pire je vais jeter le sac hein, au moment. J'ai pas 36 solutions. Salut Nexus. Factory, c'est la première fois que je le fais de toutes mes games scum. C'est chaud. Je suis pas tout seul comme par hasard. Et puis je suis discret comme tu peux le voir. Le pire dans tout ça, bon hier je suis mort etc, j'ai pu revenir. Le pire dans tout ça c'est que je n'ai rien loot. Je sais même pas s'il y a des trucs en face, je vais y aller hein, tant pis. Je découvre aussi la map. C'est pas moi là, si. Donc y'a un mec qui me suit quoi. Je sais pas s'il y a des trucs à fouiller ici, à mon avis rien, pas des bureaux classiques quoi. S'il me suit, je suis dans la merde. Non, ça c'est clair. Je sais même pas où je suis. Ah, je suis déjà venu ici, ok. Je vais faire gaffe en partant. Ah, la boîte grise là, genre ça là. Ah, les cadenas, toujours utile.
espérant qu'il les prend pas là où j'ai mis l'arme. Là c'est une unité centrale, y'a rien. Ah mais j'ai vraiment pas de chance, genre je repars même pas avec un demi-gun quoi. Personne d'autre est rentré. Déjà pas si mal. Oh les zombies morts, hein, c'est mort. Hein. Bon, je vais essayer de partir déjà, je vais aller me vider. Et on va peut-être faire un autre spot. Type airfield ou machin. J'ai le temps, je viens de commencer le live. J'ai des balles de Hunter pour la Hunter avec la lunette que j'ai à la maison. Faut juste que j'arrive à sortir maintenant. La sortie vraiment juste à côté. Moi ça ? Non. Putain, ça me fait flipper à chaque fois là. Ça tire à fond hein. Oh là 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 là. Alors je t'avoue qu'après le live je vais la faire. Donc ça sera probablement en ligne ce soir. Probablement. Par contre attends, je finis de me chier dessus. Ça devrait bien se passer après. Plus qu'à nettoyer. Allez, t'as le mec de gauche là. Il y a le zombie comme par hasard. Et après je cours. Je sens que je vais me faire tuer dans le dos en courant. Allez. Reprends sa respiration. Faire griller. Allez, casse-os. Allez, vite. Je suis pas sorti d'affaire encore. Allez, on se casse. Direction la base parce qu'il y a une petite trotte quand même. Hein. Oh, c'était tendu. Évidemment, il y a les robots pour aider tout ça. M'allonger ici. Je pense que dans les herbes ça passe là. Ouais. Pas trop mal le camouflage. Ah, oh, c'était tendu quand même. Hein. Oh lolo. Allez, tu reprends ton souffle, j'aurai rien à manger. Puis on va aller se vider. Ouais, c'est vrai. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Si, ça donne un peu de fame, mais c'est tout.
Allez, on rentre à la maison. Maintenant, la problématique, c'est que quand je suis parti hier de la maison, je n'ai pas fermé la base et il n'y a plus de mine devant. Donc, est-ce qu'elle a tenu depuis hier? Ça, c'est le grand suspense. A été fouillé là. C'est incroyable, j'ai rien à perdre. Enfin, j'ai du loot, mais rien de extraordinaire. Mais quand je joue comme ça à la première personne, ça me met une ambiance de stress. Enfin, c'est difficile à expliquer quoi. Peut-être tu te sens pas bien quoi. Quelque chose qui va pas, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose quoi. Encore m'appelle, ouais. Bon, je vais éviter de courir dans les plaines. Un peu dangereux quand même. Franchement, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue de faire toute une saison en mode FPS. Hein. Mais bon, ça change. Et il n'y a que moi qui le fais, ça. Voilà, une exclusivité française. Je suis le seul boulet à jouer à la première personne. On y va. On y est presque. On n'aura toujours pas trouvé un kit de réparation d'armes, c'est incroyable. À croire qu'il faut jouer qu'avec des armes en mauvais état. Allez, allez, go. Allez, encore deux ou trois pauses allongées. Ouais, sauf que je sais que moi directement, comment dire, je suis tout seul à jouer comme ça. Les autres vont avoir un petit avantage sur moi quand même. Et c'est ça qui rend aussi le jeu plus difficile. Mais pour le moment, bon, hier je suis mort. Bon, contre un mec qui était full équipé et qui me chassait. Mais pour le moment, je m'en tire quand même pas trop mal. Oh. Salut toi. T'es fait péter ta base, non? Y'a rien dedans, ça m'intéresse pas. C'est pour me taper une mine. Là, le nombre de bases que je trouve pillées, c'est vraiment pas bon signe pour moi, hein, parce que un jour ou l'autre, ça va me tomber dessus. Là. Ouais, il faut que je traverse dans la forêt d'en face. Et vu le champ de vision, quand même, c'est... Ils ont vachement amélioré ça hein, dans ce film. Hein. Vous voyez pas d'aussi loin avant. Hein. En gros, je pense que le bunker il était pas loin là-bas. Hein. Allez, assez reposé, on y va.
Il y a un gros business sur le serveur actuellement de tournevis. Qu'est-ce que tu fais? Ah, excuse-moi. Ah, c'est bien à côté de la route comme ça, en plein milieu. Qu'est-ce que le FOV? C'est l'heure du la question pour un boulet. Je t'écoute. Je sais pas ce que c'est. Ça me dit quelque chose, hein, mais comme j'ai pas envie de dire de conneries en live, je vais te laisser expliquer. Un truc pour augmenter le champ de vision et de retirer tout ce qui à l'affichage tout ce qui sert à rien. Ah non, en fait là je suis juste en mode attends, je sais pas si on peut voir, juste en mode extrême, et t'as un truc qui permet de voir à mon avis loin. En gros, je suis en max partout. Il doit y avoir un truc qui est la distance. Ça doit être ça. Voilà, ça joue, ça doit jouer sur la qualité graphique. D'ailleurs, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien en informatique? Ça serait intéressant. Parce que j'ai une question à 10 000 à poser. Je ferai peut-être même un sondage sur YouTube. Pour voir les réponses. Ah d'accord, je savais pas. Bon, en tout cas, moi déjà d'origine, je trouve que la distance de vue est pas mal. On va dire la distance de la vision, c'est pas mal. Je vais en profiter pendant qu'il court. Alors attends, hop. Alors pour faire simple, j'ai ma config qui est dans la description, mais j'ai un Ryzen 7 2700X qui est un processeur bon. Mais il y a mieux. J'ai une RTX 2080 Super. C'est bon, mais il y a un petit peu mieux. Je parle pas de la gamme 3000 hein, qui vient de sortir, parce que 1, c'est hors budget, et de 2, il y en a plus en stock. Mais je me demandais, est-ce que c'est mieux dans mon cas de remplacer ma 2080 Super par une Ti? Donc monter en gamme en carte graphique, sachant que la 2080 Super, c'est déjà super sans faire de jeu de mots. Ou sinon, juste augmenter mon processeur, passer à un Ryzen 7 3800 XT, une version un petit peu plus boostée que la 3800X. Et je me demandais si je devais faire l'un ou l'autre, parce que je peux pas faire les deux, évidemment. Dans le buisson. Ça c'est un peu technique, parce que je sais pas, parce que je suis pas sûr que je sois au fond à fond ni sur ma carte graphique ni sur mon processeur. Donc là par exemple, Scum en extrême chez moi tourne à 82%. Ah non, j'utilise tout ce que j'ai en route, 82% de ma carte graphique et 18% du processeur. Donc ça se trouve, j'ai rien à changer, et puis je mets de côté pour une RTX 3000 et quelques quand ça sortira, mais je sais pas. Sachant que j'ai déjà quelque chose de correct, hein, pas me cacher.
quand même vérifier si tout va bien. Faut vraiment que je trouve de quoi faire des mines, parce que même si ça fait pas grand chose, ça me permet de savoir s'il y a du monde qui vient visiter ou pas. Je crois que d'une 2080 super à une... Attends. Oh, j'ai été cambriolé, les amis. Mauvaise nouvelle. Ils m'ont tout piqué, du coup, à mon avis. Et du coup, ma Hunter avec la lunette, elle est partie. Oh, la poisse. Comme quoi, on peut pas laisser sa base sans surveillance, ça c'est clair. Bon bah voilà. Comme quoi les mines et les murs, eh ben ça protège. Bah en même temps c'est de ma faute, hein. Je suis parti sans fermer la base. Alors c'est vrai qu'hier quand je suis parti, j'avais pas prévu de pas revenir. Mais bon c'est pas très grave, hein, parce que rappelez-vous que ce que j'avais ici dans la base, c'était pas terrible, hein. La preuve, ils sont à peine servis. À mon avis, ils étaient même un peu déçus de rien trouver. Donc c'est pas très grave. Alors, est-ce que c'est du stream hack et est-ce qu'on m'a piqué le reste? La suite dans quelques instants. Par contre, est-ce que j'ai de quoi faire un autre cadenas? 1, 2, 3. Au moins que j'en mette un sur la porte. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, mais c'est le jeu. C'est le monde impitoyable de scum, et ils ont bien raison, j'aurais fait pareil. Bon, là par contre je suis énervé, si le boss il veut venir se fight, je suis chaud. T'es où là? Et ici. Allez, génial. Ouais, vas-y, casse-toi, c'est mon territoire ici. Voilà. Mais bah même contre les ours, à la hache. Bon, mon coffre est là. Bon, c'est pour ça qu'il est important, les amis, ça sert de formation, de leçon, de tout ce que vous voulez. Ne jamais laisser votre meilleur stuff, loot, dans votre base. Et là, encore une fois, heureusement, alors c'était vraiment que des petites choses classiques, 2-3 poudres, un quart cassé, enfin des trucs qui sont pas très utiles, et c'est pour ça que je suis pas trop déçu, non. C'est pas très grave. Ce qui m'embête, c'est d'avoir perdu mes 3 serrures, mais bon, ça se refait. Ah non, mais ils ont bien fait, ils sont rentrés, ils ont piquer quelques trucs, tu vois, comme quoi les mines qui pétaient tous les jours, c'était pas pour rien. Du coup, j'ai plus de Hunter, mais j'ai la lunette. Oh là là. Bref. Allez, je vais en profiter, je vais ranger rapidement. Je sais pas quoi prendre, c'est le bordel. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de faire vite fait un cadenas que je vais mettre sur la porte en speed après. Comme quoi, ça confirme bien qu'il y a du monde dans le coin. Hein. Ok, la serrure je prends. Ça, je vais remettre dedans. Ah, je vais être obligé de casser des trucs, c'est pas possible. J'ai pas de place. Pales de hunter, des pales de pompe. Le coffre est un peu petit en fait. J'ai plus de pales de pompe. Bon, j'ai un 50 mm. Je crois que j'ai pas les balles. En fait, il suffirait que je répare par exemple l'UMP45, j'ai un chargeur, j'ai les balles, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Mais là,
Eh ben c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Je vais aller refaire une caisse de choses moins utiles. Putain, c'est full, c'est déjà full. Qu'est-ce que je vais virer d'ici? Ça prend de la place. Tant pis, je vais prendre ça. Ok. Là, elle est en mauvais état, je vais la prendre. Ok, on est bon. Bon, il suffit de trouver un fusil à pompe et j'ai de quoi tuer tout le serveur. Par exemple, ça me fait chier de prendre la carte. J'ai pas de lunettes, j'ai rien du tout. J'ai pas de rail. Bon, le rail, je peux le faire moi-même. Mais SVD. Enfin, la SVAL. J'ai l'arme, le chargeur et les balles, mais elle est en trop mauvais état, va s'enrayer. J'ai vraiment pas 50 solutions, quoi. Ok, bon, le reste, je vais garder. Je vais ranger. Ok, on est bon. Faut aussi que je me fasse un autre coffre parce que là, c'est juste, juste. Ah, c'est pas con. Attends. C'est pas con, c'est vrai que j'y pensais pas, mais je crois que j'ai déjà des trucs dans les sacs. Il y a la rigueur, regarde. Attends. C'est ça que je vais faire, regarde. Tout ce qui est pour faire des mines dans le sac. Avec les poudres, ça va les dégager de la place. Hop, je laisse le sac là-dedans. Ok. Voilà. Pas le bon sac que j'avais pris, mais c'est pas grave. Ok, on est good comme ça. J'ai encore des balles. Ça, c'est 9 mm, je garde avec moi. Ok, là c'est bon. Voilà, ça fait gagner un peu d'espace. Et après, ouais, je ferai avec un peu plus de temps quand il fera pleine nuit. Je sortirai tout, je trierai un petit peu mieux. Puis c'est de ma faute, hein, j'ai juste à faire un coffre métallique qui est aussi plus grand. Ça ira beaucoup plus vite. Là, faut que je fasse vite fait un coffre pour me vider. Quoique, non, j'ai ce qu'il faut dans la base, pas besoin de coffre. Ça peut avoir d'endurance tellement il a pas mangé depuis pas mal de temps. Ouais, comme quoi les serrures ça se fait sauter directement. Faut toujours et avoir une porte si on veut et surtout refermer avec les rondins comme je fais d'habitude. Là au moins quand je travaille dans ma base je mets une serrure, ça les empêche d'ouvrir. Ils m'ont laissé mes pioches. Je comprends pas, c'est génial. Non, c'est nul. Ok. Ah, j'ai oublié de poser ça, c'est pas grave. Ça, je le reste ici. Ça, je vais le mettre là-dedans. Chargeur aussi, j'ai oublié de poser. C'est pas très grave. Je vais en profiter, je vais aiguiser la pelle et on va aller faire autre chose. On va aller se balader. On va voir s'il y a un véhicule dans le coin. Ok. Prendre avec moi, toujours utile. Ok. Bon. Là, par contre, ça c'est pas moi ça. Les mecs sont venus m'en déposer des arcs, j'en veux pas de ça.
Ouais, ça, on en a trop, ça sert à rien de les garder, mais bon. C'est pas grave. On a l'impression d'avoir du stock, mais c'est un stock de merde qui sert à rien. Bien pour me casser, ils ont pas pris. Ok, allez, on va refermer. Le truc chiant, c'est que j'avais une caisse pour transporter le bois. Ils sont barrés avec la caisse, quoi. Mec, ils étaient en galère, hein. Là, je referme, on sait jamais ce qui se passe après. Ouais, généralement, quand ils ont déjà ça à casser, ouais, effectivement, faut des clous. Quand on a déjà ça à casser, plus après crocheter les serrures, ça prend déjà plus de temps. Surtout que pour casser, il faut faire du bruit. Alors, c'est pas une seule rangée qui les arrête normalement, hein. Quand ils veulent rentrer, ils rentreront. Et ça leur fait perdre du temps et ça peut aussi les rendre pas très discrets. Là aussi, ils m'ont sauté la serrure, je parie. Ah non! Et ben en attendant, je vais prendre celle-là pour la mettre sur la porte là-bas. Ben, j'étais persuadé qu'ils l'auraient sauté aussi, mais ils ont peut-être rien vu dedans. Peut-être pour ça. Allez, objectif, un fusil à pompe ou des kits de réparation ou autre chose, hein, on va pas se plaindre, hein, mais ça serait déjà pas mal. Allez, tout léger, j'ai oublié de me remettre la serrure. Allez, petite boisson. Oh, il a lancé la canette, mon gars. Faudrait que je passe par la forêt, essayer de trouver un champignon. Une veste de loup à manger. Ça pourrait pas mal caler. Je suis toujours avec mon pauvre... 9 mm. Allez, c'est rien. On y est presque. Allez, là je vais finir. Comment dire? Je vais finir le petit bunker militaire au-dessus. Je vais aller voir après la ville d'à côté, voir s'il n'y a pas un véhicule qui a respawn. Et puis après, on fera une petite pause puisque j'ai du boulot. Il fera nuit aussi. J'ai du boulot, j'ai une vidéo sur les nouveautés de Scum à sortir. Quelques informations, donc ça va être intéressant. Limite, j'aurais dû me faire la base ici dans ce coin-là, collé au mur. Il n'y avait personne. Mais bon, après, ça fait beaucoup de distance à courir à chaque fois. C'est. Ça fait beaucoup. Rien à manger, rien de comestible. Oh! Ah voilà. Ça cale plutôt pas mal. Fais attention. Ça remplit très très vite l'estomac. Oh, c'était juste. Non, non, l'emplacement est pas trop mal. Je pensais être un petit peu plus au calme, sincèrement, parce que je me suis déjà mis la difficulté de la vue. Oula, il est essoufflé, hein. Allez, repose-toi, ça va bien se passer.
se peut que pendant l'épisode, le problème c'est que j'ai beaucoup à transporter, mais après je me déplacerai par ici. Comme ça je serai plus proche de l'airfield, de la factory et d'une ville, pour un peu faire des trucs un petit peu plus sympas. Il n'y a pas de bunker de la seconde guerre, c'est comme ça que je veux au moins partir avec un ou deux car et un ou deux M1 en bas. C'est quand même des armes qui sont très intéressantes. Là j'ai perdu la Hunter avec la lunette, même si c'est une arme un peu faible. C'est toujours pas mal d'avoir une arme avec un viseur pour voir ce qui se passe de loin. Donc heureusement que j'en ai loot un autre. Les Hunter ça devrait se trouver sans trop de problèmes. T'es cage. Il s'est cru que le déménagement je le ferai en live, hein. C'est trop long. Ouais. Genre là, il y a une ferme là, il y en a une là, il y en a là, il y a plein de petites fermes là. Non, là c'est pas une ferme, pardon. Il y en a une là. Ouais. Ouais, je vois où t'es. Pas mal aussi. Salut Charonia. Salut à tous d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, Charonia est un joueur scum, évidemment. Mais il est aussi propriétaire d'un serveur scum français, donc si je l'autorise à faire une petite pub, s'il veut y aller, si vous voulez faire de la pub, c'est un serveur plutôt pas mal avec une bonne ambiance. Il est en loot x3 si je dis pas de bêtises, mais tout le reste, c'est les mêmes réglages que l'officiel. Avec des admins qui trichent pas, c'est important de le dire. C'est la pause déjeuner, oui, et c'est aussi le lundi je suis de repos. Donc c'est déjeuner-repos aujourd'hui, c'est les deux. Et pour autant, j'ai une vidéo à faire, et j'ai madame qui m'attend avec quelque chose à faire aussi. Ensemble, bah le repos c'est aussi pour ça. Y'a rien du tout. Encore des balles. Ça par contre des balles il y en a tout le temps. Bon déjà je suis sorti vivant de la factory, c'est déjà pas mal. On va dire que ça aurait pu être pire. Allez, on se casse. Charoland, oui, enfin, il y en a beaucoup qui live, mais c'est pas, c'est aussi des joueurs. Mais oui, c'est le serveur Charoland. Comme il aime bien voir les boulets jouer de temps en temps, il vient sur ma chaîne. Allez, dégage. Voilà. Il y a quelques, on va dire, streamers scum français qui jouent sur Charoland. Il y a quelques-uns, j'ai eu. C'est moi, je sais pas une plus grande communauté française de scum, parce que c'est quand même un trait pour mon jeu. Ah, ouais, faut bien travailler de temps en temps. Ouais, là, aujourd'hui, c'est quoi ce délire, hein. Plus de repos. Là je vais faire le village et ça fera une petite heure de live. Je ferai une petite pause, je rejouerai dans l'après-midi. Je vais surtout faire la vidéo pour avec des infos sur Scum, ça va être intéressant. Pas de véhicule. Le village est fermé aujourd'hui. Ouais, des balles de Hunter, mais j'ai plus la Hunter maintenant. Parce que pour information, j'ai déconnecté cette nuit en laissant la base, pas dire ouverte parce qu'il y avait les serrures, hein, mais sans les rondins devant. Et je me suis fait visiter. Donc tout le loot, pas très intéressant mais qui était dedans, tout a disparu. Et c'est aussi l'avantage quand on laisse pas grand chose dedans, on n'est pas trop déçu.
Mais attends. Ah si, ils m'ont piqué toutes mes boîtes de boulons et tout. Donc il va falloir que j'en re-ramasse. J'avais oublié. Pas de quoi dans vue. Celui-ci, il y a deux types de véhicules qui spawnent. Quad et pick-up. Donc bon. C'est pour ça que je viens souvent regarder le village, on sait jamais. Visiblement, il n'y a pas. Voilà. Tout à l'heure, j'en ramassais. Depuis quelques jours, je ramassais plus de clous et de boulons. Là, du coup, je vais être obligé. Je crois que j'ai assez de scotch pour scotcher tout le serveur. J'aurais été d'en prendre ça aussi. Voilà, petite boîte. Toujours ça de prix. Non, ça a l'air calme aujourd'hui. Ah, c'est pas si on devient des bisounours, mais des fois on a pitié. Mais je suis un peu comme toi, parfois il y a des mecs que j'ai j'ai pas forcément envie de tuer, mais quand juste avant je viens de me faire tuer par un mec sans pitié, genre qui m'a vu en orange, les mains dans les poches, qui me tue, et juste après dans les minutes qui suivent, j'ai plus cette pitié là, c'est tant pis, il est habillé, pas habillé, coupe du bois, pas du bois, je tue. Bon, par contre, il est où? Ils m'ont capté de loin. Hein. Allez faire la curieuse, viens ici, regarde ta part les trous. Lâche-moi un stylo. Il me faut des stylos. Ah, petit boulon, je vais le prendre quand même. Bon. C'est bon, attends. Et bon. Ah, je l'ai coupé en deux. Bon, si jamais vous jouez sur un serveur. Parce que peut-être qu'un jour on va se croiser, hein, parce que je suis sur un serveur. Je vais pas nommer, mais qu'il y a quand même des joueurs dessus. Si vous voyez un mec galérer avec une hache, regardez si je suis pas en live, hein, c'est peut-être moi. Hein. On sait jamais. Ah, je donne pas des mauvaises idées, hein. Non, je plaisante. Genre comme si vous aviez besoin de moi pour penser à ça, mais je trouve que c'est sympa, quoi. Bon, après, il y en a beaucoup qui vont râler. Ouais, j'aime pas, nanana. Mais je pense que si on pouvait habituer tout un serveur à adopter le foie, hein, enfin, vu la première personne, ça serait vraiment pas mal, quand même. De toute façon, tu verras dans les stats du serveur si le jour où tu l'instaures, t'as plus ou moins de monde qui est connecté. Quoi. À 100 maps, c'est super chaud quand même. Hein. Vraiment. Mais
Mais ouais. Ça pourrait être encore plus dur. Hein. Bah, au moins, si tu retires la map et que tu mets la première personne, ça serait bien de réactiver la boussole, quoi. Automatique. Enfin, celle qui est en haut. On puisse au moins se repérer, quoi. À moins que tu veux qu'on se repère avec le soleil et la mousse sur les arbres. Alors là, bah, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de mousse. Non, je plaisante, mais ouais, c'est. On peut faire encore plus hardcore que ce qu'on a, ça c'est clair. Allez, donnez-moi une hunter là. Maintenant j'en cherche. Une hunter. Je suis pas exigeant. Allez. Une pause. Ouais. Bon. Et ben on va arrêter le live là, de toute façon. Il va commencer à faire nuit. On est bien placé, comme ça je redémarre en haut de la tour. Et je vais vous souhaiter une bonne après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez tous très bien aussi. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas fait, ça c'est inadmissible. Et puis, soit sur Twitch ou sur YouTube, il y a beaucoup beaucoup de vidéos, n'hésitez pas. Et demain soir, j'annonce pour ceux qui ont l'habitude de suivre, c'est le cinquième épisode en duo avec Faz. Donc ça sera demain soir, 21h, sur YouTube. Si ça bug pas, ça non, on sera sur Twitch. Allez les amis, bon après-midi, amusez-vous bien. Et il se peut que je rejoue tout à l'heure. Tout dépendra de mon emploi du temps, mais il y a des chances. Allez, ciao ciao, à bientôt!